Bonjour à tous, ici LOLBOY et bienvenue pour cette deuxième vidéo tuto sur Titanfall. Alors, la première vidéo était comment bien débuter sur Titanfall avec des équipements que vous avez de base, que vous pouvez personnaliser au niveau 3, 4 si je me trompe pas, votre équipement. Là, du coup, on va voir que les armes peuvent être personnalisables et surtout on peut les changer au fur et à mesure des niveaux pour le plaisir de chacun, bien sûr. Alors, moi je vais me permettre de reprendre la carabine qu'on avait vue, la carabine R101C, où j'ai débloqué voilà, tous les accessoires. Donc il faut savoir que les accessoires se débloquent au fur et à mesure. Donc moi je vais remettre ce petit viseur que j'aime tant, le holo viseur. Et il peut y avoir de temps en temps, selon l'arme, d'autres accessoires qui peuvent venir le compléter. Donc moi je vais mettre un grand chargeur. Donc là, ça vous offre une opportunité de pouvoir mieux tirer, de pouvoir viser un peu plus loin, enfin voilà, des petites choses comme ça. Ces accessoires sont débloquables, tout comme le reste des équipements, au fur et à mesure des niveaux. Mais là, c'est un petit peu particulier, c'est plutôt au fur et à mesure de vos kills. Je vais m'expliquer. Là, je vais prendre une deuxième classe que j'ai créée. Donc là avec le Smart Gun MK5, donc Smart Gun MK5, si je pense que tout le monde a vu les vidéos concernant cette arme, c'est l'arme qu'on pense être la plus cheatée du jeu, mais si je dois donner un avis totalement franc, ce n'est pas le cas parce que ça reste quand même une arme très difficile à manier. Pour tous ceux qui l'ont au moins essayé une fois, ouais, tuer des bots avec cette arme c'est simple. Par contre, tuer des pilotes ou des titans avec, là je demande à quelqu'un de me dire comment il fait, parce que alors là il faut vraiment qu'on voit, c'est très très difficile hein. Donc j'essaie de m'y habituer, donc justement on va prendre cette arme là. Et comme vous pouvez voir, je n'ai débloqué que le silencieux. Mais là par exemple, moi ce qui m'intéresserait ce serait plutôt la visio améliorée. Et là vous avez une petite case en bas vous expliquant ce qu'il faut faire en fait. Faut tuer 15 pilotes avec cette arme là. Donc les 15 pilotes là j'en ai déjà tué 10. Donc moi ce que je vais faire c'est que je déteste mettre des silencieux parce que je trouve ça un peu cheaté. Donc je mets référence et par exemple cette arme là ne peut avoir que... qu'un seul accessoire, donc du coup on ne choisit pas. Alors par exemple pour cette arme là en deuxième classe, moi je mets toujours en anti-titan le Sander Winder, l'éternel mitraillette anti-titan. En arme de poing cette fois-ci, comme c'est une arme coup par coup qu'en arme principale que j'ai mis le pistolet automatique RE45, plutôt pas mal. Par contre il faut faire attention parce que du coup le recul est assez violent, donc moi je propose de faire des coups par coup, ce qui est plus efficace. Ensuite en capacité, donc là j'ai gagné l'impulsion active par rapport au tuto 1 parce qu'en fait je l'ai fait juste à la suite, donc voilà c'est assez plaisant, on se retrouve à la même chose. Du coup voilà, camouflage j'ai mis pour simplement utiliser cette arme là le plus efficacement possible. Armement explosif, là j'ai laissé les grenades à fragmentation. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que cette arme là a quand même un petit avantage avec les grenades qui n'est pas négligeable. Et enfin, kit de niveau 1, bah pour être plus souvent invisible, j'ai mis batterie spéciale pour pouvoir recharger l'invisibilité. Et en kit de 2, bah voilà, comme j'ai pas d'autres choses vraiment appropriées, je mets détection de troupes pour que ça aille plus vite, pour trouver des bots et les éliminer plus rapidement. Ensuite en titan, alors là on va passer au châssis ogre. Pourquoi ogre? Parce qu'il est ultra résistant et j'adore ce châssis là quand je suis pas dedans. Et c'est vrai qu'avec cette arme là, avec l'arme principale que j'ai, je vais pas être souvent dans le titan. Ensuite en arme principale, je laisse le canon 40 mm. Et comme j'ai gagné le chargeur, bah, je vais mettre grand chasseur. Et là vous pouvez voir aussi qu'il y a tueur de titan. Il faut tuer 20 titans pour avoir l'expression des 3 balles. Enfin le tir 3 balles par 3 balles. Ce que je n'aime pas trop moi, mais bon, voilà, ça peut intéresser certains. Je laisse toujours le bouclier Vortex. Et l'armement explosif, cette fois-ci, je mets le lance ogive auto que j'ai déjà gagné. Et pareil, là, je laisse éjection nucléaire avec auto-éjection. Il n'y a pas plus efficace. On va se lancer tout de suite dans le mode classique. Donc, c'est toujours en attrition. Ouais, voilà. On va voir ce qu'il nous propose. Donc, à savoir que voilà, là, j'ai créé une autre classe. Moi, ce que je vous invite à faire le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, c'est de faire en sorte que toutes les armes se débloquent au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, j'ai l'arme numéro 1 que j'ai déjà débloquée à fond. Voilà, bon, c'est cool, c'est sympa, je la laisse quand même en classe. Je passe à la classe numéro 2 que j'ai créée, où l'arme, par exemple, je ne l'ai pas fait évoluer. Comme ça, vous gagnez en défi, comme ça, vous gagnez des points et vous montez plus rapidement de niveau. Voilà, c'est une technique assez rapide, hein, comme ça, voilà, assez efficace. Donc là, c'est l'arme la seconde que j'ai augmentée. Après, la troisième, ce sera le fusil à pompe, qui était à la deuxième place normalement, mais voilà, pour l'occasion, j'avais pas trop envie de sortir le pompe. La quatrième, ça sera la petite mitraillette R97. Et puis voilà, ainsi de suite.
et voilà, on grimpe les échelons assez rapidement comme ça. Vous pourrez voir assez rapidement que votre niveau va augmenter, même si vous n'êtes pas génération 2, enfin régénération 1, 2, 3, 4, ou génération de soldats 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, puisqu'il y en a 10. Vous allez voir que ça monte assez rapidement hein, quand vous regardez les frags en règle générale, voilà. Ça monte assez, voilà, 1000 XP pour faire quoi? 15 fois un pilote camouflé, voilà. Vous tuez 15 fois un pilote camouflé. Ça va assez vite, hein, je vous rassure. Par exemple, les armes de titan, ce qui est un peu plus chaud pour moi parce que j'utilise pas souvent les titans, voilà. Meilleur pilote avec certaines petites armes et tout, enfin voilà. Tout ça reste à voir, voilà. Conditions de régénération, voilà. Je sais pas ce que ça fait de plus, mais bon, voilà. Je suis 50 et demi avec le 40, voilà. Voilà, ça fait gagner plus d'XP si je fais telle ou telle mission en principal. Devrait foncer sur une map que j'aime bien parce qu'en fait elle est assez ouverte. Tout en étant assez fermé en fait, faut se calibrer sur des zones. Moi ce que j'aime bien faire dans Titanfall en ce moment, c'est vraiment définir des zones de combat. Ça veut dire qu'en fait, je fais en sorte que je bouge pas dans une zone. Mon titan fait l'aggro, donc en gros il va attirer tous les ennemis. Et ça va être sympa. Donc la map s'appelle Cimetière. En fait, il y a des espèces de bestioles volantes qui peuvent attraper vos boss devant vous. Donc c'est assez impressionnant la première fois, mais vous inquiétez pas, ils ne vous attrapent pas vous. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que Respawn a voulu quand même laisser une certaine autonomie aux joueurs, mais ça aurait été sympa vraiment que les oiseaux volants, les espèces d'oiseaux volants nous embarquent avec eux quoi. Donc c'est parti. Voilà. Hop, avec son petit smiley sur le torse, lui. Tac. Allez, let's go. Donc là, je sais déjà que les bots vont apparaître de ce côté-là. Ce que je vais faire moi de suite, je vais me mettre à droite. Hop, je me mets en camouflé parce que ça sent l'ennemi. Et voilà. Là, je suis déjà de l'autre côté. Enfin, je suis déjà dans le camp ennemi. Voilà, j'ai un de mes collègues, voilà. Je suis plus invisible. Hop, par exemple, lui avec son sniper. On va aller le choper. Donc vous voyez, en fait, ça vise automatiquement. Ah, là, je me fais avoir dans le dos. Ça vise automatiquement, mais pour les pilotes, en fait, ça met beaucoup plus de temps à viser que des bots. Vous allez voir, on va aller voir. Je vais essayer de choper des bots. Allez, là, il y a un bot. Vous allez voir, hop, ça vise automatiquement. Une balle et ça vise tout seul. Mais il faut qu'il vise au préalable. Donc c'est ça qui est un peu plus délicat. D'où vous comprenez mon invisibilité assez fréquente. Hop, voilà. En général, ça vise assez rapidement les bots. Hein. Les spectres un petit peu plus lentement, mais les bots assez rapidement. Hop, je vais vous montrer justement comment pirater une tourelle. Vous approchez, vous appuyez sur X. Tac, ça la pirate. Et voilà. Du coup, j'ai des alliés qui m'ont protégé, donc c'est assez sympa. Et là, vous voyez, la tourelle, en fait, s'est reprogrammée pour tirer sur des ennemis. Là, par exemple, il y a des ennemis. Hop. Hop. Hop, et voilà. Donc là, bon, c'est assez rapide, hein. Alors, où est-ce qu'ils sont, les ennemis? Alors, je vois qu'il y a des bots là-haut. Alors, c'est bien, voilà. Du coup, j'ai le truc de recherche des bots. C'est assez rapide. Hop, tac tac, deux bots d'un coup. Je me fais tirer dessus, pourquoi? Ah, il a reprogrammé. Ah voilà, il y a des ennemis là-bas. On va rester planqué un petit peu. Là, il y a un trou parfait pour se planquer. Hop, là il y a un ennemi invisible. Vous voyez, en fait, il est en train de le calibrer. Alors il a du mal quand il est invisible en fait. Mais il a quand même à le calibrer difficilement. Hop. J'ai des bots qui vont arriver. On est vraiment au coude à coude avec l'IMC. Voilà. D'après les simulations, ça va jouer au finish. Voilà, j'ai une tourelle qui arrête pas de me viser depuis tout à l'heure, c'est pas grave. Ah, là il y a des ennemis. Des ennemis qui viennent de passer. On va essayer de se les faire. Hop, là vous voyez, ça vise 3 points et du coup ça peut le tirer dessus directement en fait. Mon titan fait un petit peu de carnage en arrivant, ce qui est normal. Bon, lui, hop, dégage. Du coup, je vais monter dans mon ogre. Donc, vous allez voir comment ça se passe un petit peu avec l'ogre. Donc, du coup, on est vraiment plus lent. Hein. C'est. Il n'y a pas photo. Hein. On est vraiment, vraiment beaucoup plus lent. Apparemment, il y a un mec là-haut. Hop là. Là, je suis en zone. Vous bougez. Vous voyez, hein, la barre se recharge pour les titans. Un peu à la halo. Hein. C'est vraiment des barres un peu à la halo. Hein, avec un bouclier qui se recharge. Vous voyez, là, le bot il se fait emmener par la bestiole. C'est vrai que c'est assez intense, hein. Quand on voit ça la première fois, je peux vous dire, on se dit putain, c'est quoi cette bestiole, on fait demi-tour direct.
Alors là par exemple il y a un titan, hop, là les missiles ogives, vous voyez ça tire automatiquement et ça vise automatiquement l'ennemi. Hop. Moi j'aime bien prendre l'ogre, voilà, lui il a mis un fumigène, donc voilà c'est bien qu'il est mis. Hop, là je vais terminer. Il est pas trop mal. Tiens. Hop. Oh lui il va faire une explosion nucléaire, c'est pas bon. C'est quelques bots. Alors là du coup, je préfère. Alors là vous avez vu en fait il y a un mec qui était monté sur moi en fait. Du coup mon titan il s'est mis à quatre pattes. Je vais lui dire de rester là-bas. Hop. Cache de nuque, hop, il fumait aussi. Voilà, là, mon titan il se fait éliminer, je pense. Il y a un mec dessus, vous voyez en fait. Hop, et voilà, fumé. Hop, alors ne pas tirer tout le temps avec cette arme là parce que du coup, en fait, le viseur automatique il se met pas aussi bien que ça. C'est vrai que c'est l'arme est un peu relou à ce niveau là. Hop, hop. Titan, j'ai même pas vu. Il est gros comme une maison, je le vois même pas quoi. Donc voilà, donc assez efficace comme arme. On va finir cette vidéo là-dessus. Du coup, je vais pas vous laisser finir jusqu'à la fin de la game. Voilà, une petite astuce aussi, quand vous voyez des cordages assez importants comme ça, c'est des cordages qui vous permettent de vous téléporter à un endroit de la map plus important en fait. Hop, on va faire un petit claquage de nuque lui. Et voilà. Oula. Voilà, ils sont nombreux. Hop. Une seule balle, en fait vous appuyez une seule fois sur la gâchette et ça tire tout seul en fait. Ouais. Hop. Ouais, là j'étais sûr que j'allais me faire fumer, ils étaient trop nombreux de toute façon. C'est pas grave. Du coup, en fait cette arme là elle est bien quand on est dans un endroit confiné en fait. Qu'il y a beaucoup de bots et qu'on est dans un endroit confiné. Hop. Vous voyez en fait je suis passé une extrémiste, du coup ça a pas visé automatiquement. Je me mets en invisible. Hop. Ah merde. Je me fais avoir par derrière, c'est abusé. Je vais réapparaître avec mon titan du coup. Il est là. Hop. Vous voyez hein, je fais pas sortir le titan tout de suite hein. J'ai vraiment de bonnes raisons de pas le faire sortir tout de suite. Hop. On va fumer. Hop. Voilà. Voilà, petit bouclier. Voilà, lui s'est mis dans son truc. Ah ouais, d'accord, son nombre. Alors en fait, là, ce que je vais faire, normalement, je vais m'expulser. Je vais vous montrer un dernier petit truc. Voilà, là, j'ai fait pas mal de dégâts. Je suis invisible en plus, donc c'est ça qui est assez plaisant. Vous voyez la grenade que je lance. Et en fait, alors, la grenade que j'ai lancée, je peux décider de la faire exploser plutôt avec cette arme-là parce qu'en fait, ça la vise automatiquement. C'est vrai que c'est assez plaisant. Du coup, parce que quand il y a des ennemis comme ça, on peut se faire plus vite plaisir. Hop. Alors là par exemple je vais pas utiliser mon smart gun, je vais utiliser le pistolet mitrailleur que j'avais que j'ai en arme secondaire. On va le finir. Hop. Du coup il a fini. Ouais, du coup l'autre il m'a volé ma frac quoi. Pas mal. On a battu l'IMC mais c'est pas encore. Ah voilà, bon, je suis mort. Bah, du coup la partie aura été assez rapide. Hein. Voilà, vous avez déjà un petit aperçu. Ah bah super, je reviens. Oh c'est génial. Voilà, je suis pas mort au mauvais moment. Donc là je pense que les ennemis vont se diriger automatiquement vers les hauteurs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va monter en invisible. On se fait repérer, voilà. Là-bas il y a un ennemi, je sais pas si vous le voyez. Ah merde, je me suis défoncé par une explosion nucléaire. Voilà, donc du coup ça reste quand même assez efficace. Et vous voyez je suis quand même deuxième avec une arme qui est soi-disant cheatée. Hein. Et j'ai pas super bien joué aussi, c'est vrai. Mais voilà, cette arme là n'est pas forcément au top malgré ce que tout le monde raconte quoi. J'ai entendu des trucs sur cette arme là, ils sont assez particuliers quoi. Voilà, bon là je pense que le vaisseau va pas éclater là. C'est tout seul mon gars, tu vas pas aller faire grand chose. Enfin bon, voilà, quoi qu'il en soit, vous avez vu déjà un aperçu de notre arme, comment bien créer des classes en fonction de votre style de jeu. Si vous êtes plutôt corps à corps ou plutôt. En fonction du déblocage des armes et tout ça, et vous allez voir en fait que au fur et à mesure de débloquer les défis, vous allez gagner des accessoires, vos armes vont devenir de plus en plus puissantes, vous allez obtenir d'avoir de plus en plus de succès, etc. etc. Vraiment une continuité assez certaine. On va voir, hop. Ah, si je vais dans l'équipement pilote, je sais pas si j'ai débloqué une arme. Non, j'ai rien débloqué, mais voilà, je me rapproche au fur et à mesure voilà, de mon objectif pour débloquer les armes. Donc je vous laisse, et on se retrouve pour un prochain tuto sur Titanfall. Allez, tchou!